Bonjour à toutes et à toutes, comment allez-vous? Pour ma part, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale, enfin, voire carrément spéciale, vu qu'il ne va pas y en avoir deux comme ça sur ma chaîne de vidéos. Donc là, j'ai connecté toute ma team, hein, donc un petit rappel pour ceux qui sont, on va dire, nouveaux abonnés ou ceux qui n'ont plus trop suivi la chaîne là pendant un petit temps. C'est vrai qu'il y a eu un petit temps sans vidéo, bon là c'est la troisième. Donc je joue donc un Pandawa, donc Terre, qui s'appelle Estorzia, le Kra en multi-éléments, Estizia, donc mon perso principal. Le Zobal Eponymia, donc Zobal aussi en multi-éléments. Un Enu Elinia, donc eau. Un Héliotrope Edistinia, donc en feu agi, donc qui est très bien. L'Eniripsa Eliange, donc qui est en feu agi également, enfin surtout feu. Elianor Lecaflip, donc en multi-éléments. Et Effangia Layop en multi-élément également. Donc ça fait 4 persos en multi-élément. Donc c'est, je trouve, suffisant. Pas besoin de forcément plus. Donc la team est entièrement 200. Vous voyez que les ornements sont tous à 8000 points de succès. Sauf l'héliotrope qui est à. Enfin, qui est très long. Qui est très proche des 8000. 7940. Voilà. Donc sinon tout le monde a 8000. Enfin, je peux montrer au pire en guild. Ce sera plus simple. Donc il y a la Kra qui est à 11 800, l'Eni qui est à 10 030, donc voilà, la vidéo des 10 000 a été faite sur la chaîne, c'était celle, l'avant-dernière, voilà. L'Eka qui est à 9 004, l'Ayop qui est à 8 800, le Panda à 8 600, l'Azobal 8 400, l'Enutrophe 8 100 et l'Héliotrope 7 900, donc ça fait pas mal de points de succès, donc c'est un peu... l'objectif en ce moment de rusher ces points de succès là, et c'est cette vidéo justement, ça va être l'objet, enfin l'objet de cette vidéo, ça va être vraiment le rush des succès et faire un peu le bilan. Donc je rush les succès depuis environ mai. Bon, faut savoir non plus que je joue pas énormément beaucoup, hein, donc voilà, ça va tranquillement. Et maintenant, donc là vous voyez que sur tous mes personnages que je fais défiler, j'ai toujours le petit carré récompense et article en attente, parce que je les ai pas acceptés. Et cette vidéo-là, je vais les accepter. Et on va faire un petit peu le bilan de tout ce qu'on a, ce qu'on aura reçu. Donc sur le panda, 428 récompenses en attente. Donc c'est énorme. Donc il y a de tout, hein, depuis les succès monstres, des duotages, les scores des idoles, des doppels, des duotages, il va y avoir des quêtes aussi. Voilà, il y a la Mrs. Freeze, il y a des trucs de donjon, il y a plein de choses et plein de choses. Il y a du Vulcania, bon ça c'est les derniers, le tour du monde 27 donjons, il y en a plein, je vais pas tous les énumérer. Sur le Kra, j'en ai 150, donc là c'est globalement des scores d'idoles. Bon, il y en a quelques-uns, il y a eu les titres, il y a une Carnam. Ça c'est les titres genre et cuir, ça c'était les quêtes qu'ils ont rajoutées dans la 2.29 au sujet des alignements, donc que j'ai fait aussi, des succès monstres, de l'alignement encore, ça c'est une Carnam, et c'est souvent du comment dire, des idoles. Là il y a les 7 saloupios, c'est les avis de recherche, donc ça rapporte pas mal. Mais en gros voilà un petit peu près tout ce qu'il y a sur le Kra. Sur le Zobal, il y en a 410, c'est grosso modo même que sur le Panda. Attendez, je vais les laisser afficher. Voilà, parce qu'il va falloir les accepter ensuite. Donc sur le Zobal, c'est quasiment pareil. Sur les nuits, pareil, hein, c'est 450, il y en a même un peu plus. Je suis parti vraiment de 1000 et quelques points, hein, pour arriver jusque-là. Donc voilà, ça fait plein de choses. Sur les Liotropes, il y en a 422. Sur les nids, il y en a 169, donc là c'est... aussi globalement des idoles, mais il y a un peu, petit peu d'autres choses. Bon, il y a des quêtes, là, vous voyez un peu là, 20 millions d'XP, 350 000 Kama. Des donjons, il y a eu aussi des trucs des dimensions qui ont été faits. Capitaine et carré de statue, voilà, donc il y a un peu... il y a moins de choses, mais il y a quand même pas mal. C'est surtout des idoles. Il y a surtout aussi vous et les autres. Celui-là était stylé. Les Caflip, il y en a 202. Donc là, il y a un peu de choses, il y a des quêtes astrubes, il y a des duotages aussi un petit peu.
Voilà, il y a des duotages, il y a des choses, il y a du Vulcania, il y a des quêtes, il y a un peu de tout aussi. Mais c'est surtout encore des idoles. Et sur la Yop, il y en a 421, donc là aussi c'est un peu de tout. Voilà, c'est les derniers persos donc qui sont partis un petit peu de rien, donc il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc on va commencer avec le panda. Donc on va tout accepter. Donc là j'XP Guild. Donc on va bien voir avec le panda. Donc j'en suis à 69 millions 780 000. 69 millions 700. Alors je vais noter ça. Ça sera plus propre. On a dit 69 millions 780 000. Grosso modo. Hein. Après le reste, on s'en fout. Ça n'a peu d'importance. Et ce que je voulais voir, c'était les kamas que j'avais. Donc là, je suis à 200 000 kamas. Parce que là, tout, il y en a plein partout. Donc on va voir. C'est parti. Donc, ça va être assez long. Je vais faire une petite ellipse. Et on va se retrouver juste après quand ça aura fini de défiler. Et nous voici donc avec sur le panda. Là, ils ont tous été acceptés. Donc il y en a énormément. C'est assez incroyable. Donc j'étais à 69 millions. J'en suis maintenant à 76 millions. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte. 76 et après j'ai combien? Ouais, j'ai 76. Ok, c'est un compte rond. Voilà, donc j'ai fait plus de 7 millions d'XP. C'est énorme. C'est énorme. Sur le panda. Donc là j'en ai. Voilà, je suis à 8 milliards 2, c'est pas mal. Et en Kama, j'ai 6 millions 1. Donc en gros, je me suis fait 5 millions 9. Kama. Voilà, donc c'est fou aussi, hein. Bon, par contre, non, je suis blindé aux ressources. Oh, 10 000 potes. Oh putain, d'accord. Ah ouais. Ah là, ça va être super chaud. J'aurais dû faire ça devant la banque, parce que là, je vais me retrouver complètement emmerdé avec ça. Ça va être le beans. 31 points d'osseuse de grâce Mera. Ouais, beaucoup de choses, trop de choses. Sur les 7 persos, ça va être le même bordel. Ouais, sauf le Kraut, ça va être lèche parce que c'est surtout des idoles. Mais ça va être tendu, hein. Ça va être méga tendu. Ok, donc là, en gros, bah, 10 000 potes de ressources, enfin non, on va dire 7 000, 7, 5 000, 5 000, entre 5 et 7 000 potes de ressources, 5 millions 9 de Kama et 7 millions d'XP Guild. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment un bon jackpot. Hein. Donc maintenant je vais faire pour les autres. À savoir pour le Kra. Donc le Kra, elle était. Ah mais là c'est leader. Parce que là j'XP leader. Donc là j'XP pas la guilde. Donc là il faut regarder leader. Donc j'étais à 32 milliards. Donc on va noter ça à la suite. 32 milliards. 396. Oh là là, non, j'ai fait un 0 au lieu d'une à l'espace. Ça ne va pas du tout. Aidez-moi. 121 000. Ouais, donc j'étais à ça avant d'accepter. Donc là, bon, je pense pas que j'aurai énormément de plus. Hein, c'est pas énorme ce qu'il y a, mais il y a quand même 150 récompenses. Allez, c'est parti pour le crâne. Là, je vais pas faire d'ellipse. Hein, ça va assez vite. Bon, ça va quand même faire pas mal d'XP. Hein. J'ai pas regardé les kamas, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et j'en suis donc à 32 584. Ah oui, j'ai quand même bien XP quand même. Hein. Ouais, j'ai fait, on va dire, 100, 190 millions. C'est pas mal. Comme ça, d'un coup, c'est relativement correct. Hein. 1, 4, 575, 0, 0, 0. Ouais, en gros, j'ai fait 150, 190 millions. C'est quand même énorme. Et en Kama, donc j'avais 40 millions, je crois. Moi, je me suis fait 2 millions. Bon, c'est méga correct. Hein. C'est méga correct. Avec le Zobal. On va voir avec le Zobal maintenant. Bon, la vidéo va être assez longue, mais bon, c'est normal, hein, parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Donc le Zobal, j'avais 82 millions d'XP Guild, 8200. On va mettre ça comme ça. Ah non, ça c'est milliards. Qu'est-ce que je fais là? Putain, je fais n'importe quoi. C'est le matin, excusez-moi. Bon, là j'avais 100. Bon, je vais mettre 100 000 ici, ça sera un petit peu mieux quand même. 100 000, c'est pas rien. Et j'avais surtout 685 000 Kama. Donc là, j'ai 410 récompenses. Donc pareil. C'est parti pour tout ça. Je vais avoir mais un méga paquet de ressources, ça va être énorme. Ça va être complètement énorme. Un paquet de Kama aussi, ça va faire vraiment plaisir ça. Finalement, vous voyez, hein, ça peut vous servir d'astuce Kama aussi, hein, de faire les succès, vous voyez. Sur un personnage, je me suis fait 5 millions 9.
Et là, je vais me gaver ça fois 6 minimum, fois 7 presque. Donc 6 fois 7, ça fait 42, ça fait 42 millions de kamas. L'air de rien, c'est le double que j'avais de base, donc ça va être énorme. Clairement, là, c'est fou en fait les succès. On se rend pas compte comme ça, mais mis bout à bout, c'est franchement énorme. C'est clairement énorme. Voilà, ça va plus vite sur la fin. On va pouvoir bientôt y arriver. Ouais, ça va très vite hein, la fin. C'est assez ouf. Une trentaine, vingtaine, 10 et 0. Voilà. Donc là, en Kama, voilà, 6 millions 4. Donc je me suis fait encore 5 millions et quelques. Vraiment, vraiment incroyable. Beaucoup de ressources. Un petit peu moins de ressources, d'accord. Pourquoi pas. Et surtout, donc la guilde, hein, parce que c'est aussi un petit peu ça que je vise. Ouais, elle progresse à mort. Je suis à 88 millions, donc j'ai fait 6 millions. Ouais, j'ai fait, quasi, bah, j'ai fait tout, 6 millions tout pile, hein, quasiment. Ouais, parce que là, je suis à 0,80, donc j'ai fait 6 millions. Voilà, donc ça va être à peu près 6 millions d'XP guild. Donc vraiment pas mal du tout pour cette Zobal. Donc Zobal qui est pleine de ressources également. Bon, il y a la moitié qui sont à jeter. Hein, comme ça, c'est nul. Mais les étoffes de Peki, il y a ça, il y a plein de trucs, hein. Il y a des boomerangs là, ça coûte méga blinde. Il y a des noix de coco qu'on peut revendre. Il y a plein de trucs. Il y a des têtes de mort, ça faut regarder. Enfin, après, il y a plein de trucs. Enfin, ça, je ferai le tri après hors vidéo, bien sûr. Il y a des trucs colossaux, il y a Grasmera. Enfin, il y a vraiment plein de trucs de ouf. Voilà. Maintenant, c'est l'Enu. Donc, Enu, pareil. Donc, on va refaire un même topo. Donc, elle était à 38 millions d'XP Guild. Pas du tout. 38 815, donc quasiment 39. Et elle avait. Et elle a plutôt 400 000 kamas. Donc on va accepter. On va bien voir. Là il y a 450 récompenses. Il y en a encore plus que les autres. Faut savoir que quand j'ai fait ce rush succès là, je suis parti de 1000 et quelques. Même pas 1000 points sur les Nurios. C'est sur les Nu et les Lio, je crois. Ils avaient genre 600 points, un truc comme ça. 600, 800 points. Et bah j'ai fait. Bah j'ai dû me coltiner tout le reste, quoi. Donc c'est assez énorme. Voilà, je vois les étoffes de Peki, les 8000 points, Dramac, les Melou. Bon, après, dans tout ce que j'ai fait, enfin voilà, après, c'est tous les donjons de base, avec les idoles aussi, mais bon, il fallait avoir des points, et tous les points, bien sûr, sont des points utiles, quoi, pour monter le plus vite possible. Puis je fais un peu tout, quoi, je fais des quêtes, je fais des donjons, je fais des monstres, voilà, donc c'est. Pardonnez-moi, je viens de tuer un moustique. Comme ça, il m'emmerdera plus celui-là. Depuis tout à l'heure, il était en train de voler là, autour de moi. J'arrivais pas à le choper. C'est chose faite. Ah bah voilà, ça s'est fini en plus, je regardais plus l'écran. Bref, pardonnez-moi pour cette petite interruption. Alors, l'XP, je suis à 45 millions. Donc, grosse, grosse, grosse montée. Et 311. Donc là voilà, là j'ai fait, ben là j'ai fait plus de 7 millions. Ouais, j'ai fait entre 6 et 7 millions. C'est pas mal. Pour les Nutrophes. Et j'ai 7 millions de Kamas. Donc j'en avais 400 000. Voilà, je me suis fait 6 millions 4. 6 millions 5. 6 millions 6, pardon. Oula. Je bug un peu, désolé. 6 millions 6. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Surtout pour un perso. Donc là maintenant l'héliotrope, pareil. Donc on va refaire pareil. Donc je suis combien de minutes de vidéo? 13 minutes. C'est bien. C'est très bien. Moi je pensais être totalement à la ramasse, genre une vidéo de 40 minutes, non, pas du tout. Alors l'héliotrope est là, donc elle est à 23 385. Et je suis réveillé là, c'est bon, c'est parti. Et 220 000 kamas. Il y a combien de récompenses? Il y en a 422, c'est parti. Et je vais juste voir sur les Nutrophes le nombre de ressources. Ouais, 10 000 pods aussi, putain, ça va être rempli. Ça va être la blinde. Ça va être incroyable. Bon. Allez, on accepte tout ça. Les fantômes de Grob. Des diotages. Il y a plein de trucs, hein. Du Frigos, de Luga, j'ai vu passer. Ben le Ripat, Melou. Grodia Grasmera, Tineril, Wawobot, Shenmue.
J'ai vu de l'obsidiantre, des quêtes, des titres, 140 récompenses. Là maintenant, ça va trop, ça accélère à mort. Là, sur la fin, on voit plus rien. Pour vous dire qu'il y a énormément de récompenses. Je suis récompensé. Il y a un peu la jauge de la guilde qui montait. Je sais pas si vous avez peut-être rendu compte. Moi, je m'en suis rendu compte qu'à la fin. Donc là, c'était l'île Utrop de 23. Ah bah non, 23. Ah, mais c'est pas mis à jour, ok. Ah, super. 29. Voilà, 29 500. Donc c'est cool. Énorme, énorme. Et combien de kamas? Donc j'étais à 200 000 et je suis à 1. Non, j'étais à 200 000. Si, c'était 200, 220 000, je crois. Je suis à 6 millions 7. Waouh. Et blindé de ressources, 10 000 potes de ressources également. Donc là, c'est l'Eniripsa. Donc l'Eniripsa, il y en a moins, comme sur le Kra, il y en a un petit peu moins des succès. Parce que bon, elle avait déjà beaucoup plus d'avant. Alors là, combien d'XP guild pour l'Eniripsa? 237 millions. Ouais, c'est énorme là, l'Eniripsa farmeuse hein, de guild. 237 millions. La guild va up aussi. Hein. Putain, je vais faire un niveau de guild avec uniquement avec uniquement les succès. C'est n'importe quoi. Et combien de kama? 500 000, donc ça va être cool. Allez, c'est parti pour 100 et quelques récompenses. Donc là, c'est surtout des idoles, comme je le disais en début de vidéo. Tili titi. Clac. Alors, combien de kama? 3 millions 7, c'est pas mal. Un petit peu moins, hein, mais bon, ça a quand même monté. Non, c'est pas ça que je veux regarder. La guilde. Ouh. Et l'état, 240 millions. Donc elle a fait 3 millions. Bon, il y en avait beaucoup moins de récompenses, évidemment, donc c'est normal. Mais elle fait quand même 3 millions, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Pour l'Eniripsa, côté ressources, sinon c'est très loin d'être saturé, bien évidemment, parce que c'était surtout des idoles. Hein. Les Caflip, 202 récompenses, donc c'est surtout aussi des idoles, mais il y a un peu de succès aussi. Donc on va regarder Guild pour les Caflip qui est ici. 165 millions, 827 000. Et on va regarder, en acceptant ces récompenses, regardez les Kamas aussi, 200 000. Allez, c'est parti. 200 000 Kamas, ça va quand même être assez chaud de tout faire. Et après tout regrouper, ouais, je pense d'en faire les 40 millions. Donc j'aurai 80 millions de cash à la fin, donc c'est plutôt pas mal. Oh, je crois que la guilde a up. Ouais, la guilde a up, 107. Yeah. Voilà, donc les Caflip a fini de valider. Donc guilde 107 maintenant, c'est cool. Un petit pouce vert pour le up guild succès. Et c'est 169 millions. Donc pareil, 4 millions, un peu moins, 3 millions 5 d'XP. Voilà, 3 millions 5 d'XP et j'avais 200 000 kamas et j'en ai 3 millions 7. C'est plutôt cool. Tout ça. Et la Yop, maintenant, 421 récompenses, donc c'est la dernière. Donc là, guild. Combien en ai-je sur la Yop? 81 millions. 81 721. Voilà, on va regarder. Après, ce qu'il y a à la fin avec ces 421 récompenses. Et en Kama, j'en ai 250 000. On va arrondir. Voilà, on n'est pas là pour faire... Il y a même le sablier, hein, témoigne que ça bug. Les aliens récupèrent leurs récompenses. Bon, tant que je suis pas déco du jeu, ça va. Voilà. Plus que 300. Mais après, c'est toujours à peu près les mêmes récompenses hein, sur toute la team, parce que j'ai fait les mêmes succès. En même temps, c'est normal, il n'y a que ceux-là, mais... J'ai fait les mêmes succès sur tous les personnages, donc normal. Oui, j'ai déjà parlé des points de succès, j'allais dire oui, alors là, voilà. Non, mais pas du tout. J'avais déjà expliqué. Ouais, ça va faire une vidéo de 20 minutes, c'est cool. Allez. Ah, ça, non, après, je vais faire une synthèse quand même. Je vais tout regrouper, je vais faire une synthèse pour vous montrer. Oh, je vais faire qu'une synthèse Kama, hein. Je vais pas faire une synthèse ressources parce que ça m'énerve. Ça va être méga long hein, de tout trier, hein. Je vais passer des heures à faire ça. Voilà pour le Yop, donc 88, oh putain pas mal, 8800, donc à peu près 6 millions 5 d'XP si je dis pas de bêtises, donc c'est plutôt pas mal, effectivement, voilà, pour la Yop, et elle avait 200 000, et maintenant elle a 6 millions 4, donc c'est vraiment cool, pas mal de ressources également, pas mal de ressources inutiles, surtout,
Voilà, donc un petit peu pour cette validation de succès. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert hein, pour si vous avez aimé toute cette récompense. Et maintenant, je vais faire une ellipse, le temps de regrouper un petit peu toutes mes ressources, tout mon bordel. Et on va se retrouver pour un petit bilan de cette opération succès qui s'est déroulée depuis mai jusqu'à voilà, fin juillet. Voilà, à tout de suite. Et nous voici de retour. Alors voilà, donc j'ai vidé un petit peu les personnages en termes de Kama. Vous voyez que sur le crash, j'ai toujours mes 40 millions que j'avais avant la vidéo. Donc voilà, ce n'est pas truqué. Il n'y a pas eu de trucage dans le bazardage. Et maintenant, j'ai mis tous mes Kamas sur le panda. Et combien ça m'en fait? 42 millions. Donc j'ai plus que doublé ma quantité que j'avais initialement, c'est-à-dire sur le crash j'en avais 40 et 700 000, voilà, j'ai retrouvé cette valeur-là. J'en ai obtenu 42 millions avec les succès. Avec 8 personnages qu'on fait des succès, bon, il y en a 6 qu'on en fait vraiment, enfin, non, il y en a 5 qu'on a eu plus de 400 récompenses. Les Caflip en avaient 200, les Ni 160, il me semble, et le Crash 130, un truc comme ça. Donc c'est vraiment incroyable. Donc avec tout ça, 42 millions en cash. Donc c'est vraiment impressionnant. J'ai plus que doublé la quantité que j'avais initialement. Donc c'est quand même incroyable. Alors, je vais les mettre sur le CRA maintenant. Oups, pas du tout. Voilà, je crois que c'est comme ça. Jamais transféré autant d'argent, hein, c'est pas possible. C'est incroyable. Et maintenant, voilà, donc je me retrouve avec 82 millions de cash price. Donc c'est tout pas mal. Je suis vraiment plutôt content de cette manipulation. C'est vraiment incroyable. Je pensais pas en avoir autant en fait. Je pensais que ça allait taper dans les 20 millions, je pense. Bon, je pense pas du tout 40. J'avais pas du tout l'esprit aussi haut. Et pourtant, si. Voilà. Donc, moi, ça m'arrange, hein, évidemment. Ça m'arrange évidemment d'en avoir autant. Surtout sur des succès qui sont restés plutôt très simples. Hein, j'ai pas fait des succès dits d'alien. Hein, je suis resté dans des succès très simples. Vous voyez que j'ai même pas tout ça encore, etc. Donc, ça me fait. Voilà. Pas mal de karma, etc. Pas mal d'XP en plus. Les métiers, je les ai pas faits. L'élevage, je les ai pas faits. Enfin, il y a juste pour les quêtes. Et encore les quêtes, j'ai même pas validé les 600. Oh! 599, alien! Putain! Ouais, bon, en gros, voilà. Je suis à 600. Donc, encore là, il y a des karma à faire. Hein. Et que là, il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans les donjons, bon, bah, j'ai pas fait des trucs de fou. Hein. Voilà, même pas ça, même pas des trucs comme ça. Mais finalement, ça m'a fait beaucoup de faire bah, tous ces petits donjons-là, 14 000, plus 14 000, plus 14 000, et c'est comme ça que c'est monté. Voilà, bah, si vous voulez faire de l'argent, bah, je vous invite vraiment à faire ça. Vous voyez que c'est rentable. Voilà, tout simplement. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve très vite et très prochainement pour de nouvelles aventures. Salut à tous!